Bonjour mon garçon, comment t'appelles-tu ? Merleau-Ponty. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty est un con. Ah ben il est très spirituel ce petit, on lui présentera Maurice. Raymond. Ah Boris, mon ami Sartre a insisté pour vous rencontrer. Depuis qu'il vous a découvert, Queneau ne parle plus que de vous. Voilà, si j'avais su que le pape viendrait dîner. Le pape ? De l'existentialisme. Ah, Michel, ma femme. Ça, Queneau. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ma femme est tout sous clé. Enfin, c'est du trait. Très bien, venez, venez. Elle est où, la Brevoir ? La Brevoir. Il veut dire la Beauvoir. Ah, New York, je pense. New York. Ah non, je pense que tu as un bon Regarde ça. Dites-moi tout alors. Tantôt. 12-08. Viens et voir mon bureau, hein. Et j'ai hâte de vous lire, vraiment. Parler de choix, d'engagement, mais Beauvoir, par exemple, elle vous demande jamais de choisir. Elle m'a choisi comme je l'ai choisi. Nous sommes l'un pour l'autre l'amour nécessaire. Ce qui n'empêche pas les amours qu'on a, genre. Moi, je suis un peu vieux jeu. Je crois à la fidélité. La fidélité, oui, mais dans la liberté. Jacques. Le Major ! Qu'est-ce que tu t'es encore fait ? Oh, une égratignure, comme ça. Major, de retour des Indes. À l'instant même. Alors, c'est vous ? Ah, oh, attention, faut pas les bruiter, c'est une couverture. En fait, je suis le double de Boris. À mon bison. Oui, oui. Son double scotch. Tu me rinces l'œil ? Moi, l'Amérique, c'est mon rêve. Les gratte-ciel, les Cadillac, le jazz. Pas tout à fait, mon cher Boris. L'Amérique, j'en reviens. L'Amérique, c'est aussi la ségrégation, le racisme. Les Noirs lynchés impunément.